Et ok! Yes, salut à tous sur Recalcos, on est parti pour la suite de nos aventures sur Détective Pikachu. J'ai commencé la partie, on va reprendre où est-ce qu'on en était. Donc au début du chapitre 3, je rappelle que la dernière fois, nous venions de découvrir le jeu, enfin moi je venais de découvrir le jeu. J'ai tantôt réglé un problème de collier, puis j'ai voulu aller visiter une grotte parce que c'était pour suivre la piste du père de Tim, si je ne me trompe pas. Sauf que ça a mal tourné et maintenant je sais pas ce qui va se passer. C'est parti parce que là on va s'attendre à du roleplay mais je vais refaire tout ça au plus calme. Chapitre 3, le PCL. Nous avons décidé de nous infiltrer dans un centre de recherche non loin de Rim City pour tenter de découvrir où se trouve mon père. Well, here's the key. Why don't you go ahead and hold on to that for a while? Thank you, Mr. Baker. I was a little surprised when you called up asking to borrow the car, but you found a part-time job. And as a lab assistant, pretty impressive. Well, yeah, more of an errand boy than an assistant. It's a place called PCL. Oh, PCL, huh? A well-known Pokemon research facility. Good luck with your new job. Thank you. Tim, I just finished my lunch, so I'll be outside. Coïncidence. Donc si j'ai bien compris, dans ce chapitre, on a un petit boulot, comme ça on va pouvoir payer le loyer du papa qui est porté disparu depuis des mois de son logement. Je sais pas. Donc voilà, je rappelle que notre ami ici présent, donc si je me trompe pas, il s'appelle bien Tim. Et il est à la recherche de son père, mais ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas de nouvelles et donc il enquête dessus, mais pour l'instant ça n'avance pas trop. Il sait juste qu'il avait fait lors du chapitre 2 une enquête, mais ça n'a pas fini. Et on a surtout découvert qu'il avait. Enfin, que le père. On a découvert que le père a découvert. Voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est ça. Hein. Donc le père avait découvert un moyen de savoir où les problèmes Pokémon allaient surgir plus tard dans l'avenir. C'est pour ça qu'on avait été dans la grotte, c'est parce qu'il avait dit qu'il y aurait eu quelque chose qui allait se passer dans un futur plus ou moins proche, hein, ou plus ou moins long, je ne sais pas comment on dit ça. Et donc du coup, on est arrivé au bon moment, puisqu'il y avait effectivement eu un problème avec un certain Onigladi. On a découvert d'ailleurs, mais ça n'en parle pas trop, une petite pierre bleue. Moi, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette pierre. Et le comportement d'Onigladi, il avait les yeux rouges pendant qu'il allait pas bien. C'est tout ce qu'on sait, nous, en tant que joueurs. Le team, je sais pas trop ce qu'il sait, par contre. Je sais même pas s'il est au courant. Il sait qu'il a trouvé une pierre bleue, mais il sait pas si c'est une coïncidence. Pour nous, oui, en tant que joueurs, obligé. Je veux dire, on n'a pas ramassé un truc comme ça pour rien. Et d'ailleurs, ça faisait pas du tout partie de l'enquête. Donc il était possible qu'on ait zappé ce passage. Ou peut-être pas, le jeu est peut-être bien conçu pour. Enfin bref. Y a-t-il? Ah oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est chiant dans le sens. On en a déjà parlé de Pikachu et tout. Pardon. Mon père vous a dit en quoi que ce soit au sujet du PCL? Non, pas un mot. Pourquoi cette question? Oh, pour rien. Toujours les incidents avec les Pokémon. Y a-t-il eu d'autres incidents provoqués par des Pokémon depuis? Ah oui. J'ai peut-être vu ça aux infos, mais on a eu un cas de Capumain farceur qui ont saccagé la ville. Ou encore un Onigladi qui a fait des ravages dans une grotte. Ah oui, c'est fou. On y était. Fais bien attention à toi, hein. Alors, par contre, je me rappelle pas de toutes les voix. Je sais que Pikachu est la voix grave et Tim, c'est un peu plus ma voix de base. Donc, ouais. Savez-vous où se trouve mon père? Heureusement, on a toujours plus. À propos de Pikachu. Pas perdre de temps. Fletch. Petite est très câline. Et elle a l'air bien contente de te voir. Oh, let's go. Fais-moi. Oh, tu t'en vas? Bon courage. J'ai pas eu le temps de dire la fin, j'ai spammé comme un débile. Un snowball. Sorry, I'm late. Pika? Where's your hat? Pika? What's wrong with you? Come on, let's go.
Pikachu! Pika Pika! Hey, sorry about that. Me? I got tangled up with some Pokemon adoring cuties. Pika? Tim, don't tell me you confused this guy for me, did you? this Pikachu looks a lot like you. Sorry if my buddy caused you any trouble. Pika! Pika Pika! Yeah, you could say that. Pika Pika too! Is that so? Pika! Pika, Pikachu, Pika! Pika, Pikachu! Yeah, so I guess you two will make your dream come true. Tell your buddy to be the very best, like no one ever was. Pikachu! See ya! Pika! Pika, Pikachu! Le petit clin d'œil. I'm not sure, but it seemed like you couldn't understand what that Pikachu was saying. Mm-mm. I just heard its Pokemon cry. So I guess it is only me you can understand. Mm-hmm. Such a mystery. Well, I guess it's off to the lab. Okay. I'd like to see if we can find another one of these vials. Right. Well, it's pretty unique. If we see one, we'll know it. Oui, il y avait la fiole. J'avais oublié. Merci pour le rappel. Et mais Tim, il est pas si jeune que ça, il a le permis. Il conduit. En colité. Inspecteur au commissariat de Rib. Hello, Baker. Inspector Holiday. I'll leave you two alone. Thank you. Hey, Holiday. You make any progress? Nope. It's back to the drawing board. Harry's case remains a mystery. What about you? You got any news? Well, Harry's son, Tim, has decided to come for a visit. Hmm. You don't say. Well, I hope he hasn't come here to search for his father. That's exactly why he's here. I can't have him be involved in anything dangerous, so I gave him a bit of a warning. Yeah. Best not to let an amateur get involved in this. However, he is Harry's son, so do you think he's gonna listen to you? He seemed like an agreeable young man. Pendant que je me dirigeais vers le PCL, j'étais loin de m'imaginer que Baker et Holiday parlaient de moi. Le PCL, Pokémon Comprehensive Laboratory. Ah, Comprehensive Laboratory. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Tim comprend Pikachu? Et donc nous, on comprend Pikachu, vu que on est plus ou moins lié à Tim, hein, de toute façon. Après tout, c'est moi qui le dirige. Je crois qu'on y est. Oui, parlons au monsieur de la sécurité. Je suis sûr qu'il nous laissera passer. Oh là là, je stresse. Hé là, Tim, c'est franchement pas le moment de flancher. Bon, on récapitule. Dans le cadre de cette mission, tu t'appelleras Tim Hotman. On a besoin de changer ton nom, au cas où l'on tomberait sur quelqu'un lié à l'affaire d'Harry. Car on risque de paraître suspect si on le présente sous le nom de Goodman. Ok, j'ai compris. Mieux vaut être prudent. Monsieur, bonjour! Bon chien! Travailleur modèle. C'est l'agent que je voulais parler. Salut! Eh là, du calme. On vous veut pas de mal. On est des nouvelles recrues de ce labo. Notre premier jour. Enchanté! Et le partenaire de l'agent de sécurité? Oh! Heureusement que vous êtes là pour garder les malfaiteurs au large. Pas tout, monsieur. Bon. Hey, Tim! Tim! Okay, go ahead and try saying your name. Tim Hotman. Yes, now we're all set. Remember, detectives like us, we should never lose our focus, alright? Bonjour, je m'appelle Tim Hotman. Je viens d'être engagé, c'est mon premier jour ici. Ah oui, on m'a informé de ta venue. Enchanté. Tu peux passer? Bien sûr. Et n'oublie pas de te présenter à l'accueil.
Une double porte. Rita Partridge, réceptionniste du PCL. Hello there. Welcome to the research facility. Ah, Fleuette. Spécialiste de l'entretien des fleurs. Hello. Good morning. My name is Tim Ottman and I'm going to start working here today. Oh, you're the new part-timer. My name's Rita. Nice to meet you. I'll call the director. You can wait over there. Thank you. Pika! Pika pika! Pika! See that? She really likes me. Yeah, yeah. Pika pika! Hey, Tim! Ok, récapitulons notre mission. Fouiller ce labo de fond en comble jusqu'à ce qu'on trouve une fiole similaire à celle qu'on a découverte dans la grotte. Le seul indice qu'on est susceptible de nous mettre sur la piste d'Harry. Ok. Laisse-moi juste te poser une question au cas où. Tu te souviens de la forme de la fiole? Ça fait une semaine. Bon, t'as qu'à regarder tes notes. Ouvre ton carnet à la section. Blablabla. La fiole ressemble à un tube à essai et sert à contenir des médicaments. Pour trouver cette fiole, il nous faut d'abord mieux connaître la zone. L'idéal, ce serait de trouver un plan des locaux. Oui, allons voir s'il y en a un dans le coin. Il a l'air sympa ce sofa. On pourra s'y asseoir une fois qu'on aura trouvé le plan des locaux. Le plan ! Pikachu, regarde ça ! Oh, belle trouvaille ! Voyons voir. Le triangle rouge semble indiquer notre position actuelle. Oui, on peut voir l'aile à gauche et une cour intérieure au milieu. Il veut dire qu'il faudra traverser cette cour intérieure si on veut se rendre dans l'aile B à droite. Ouais, l'aile B. Ah oui, d'accord. On voit la souris, nickel. Donc en fait, la cour, c'est ça. C'est en plus un truc de plante, donc Floyd va nous être utile, je crois, ici. Et l'aile B est là, et donc ça doit être l'aile A. Et apparemment, on n'a vraiment pas le choix, puisque on voit les portes affichées. Oui, on ne voit qu'un couloir qui relie les deux bâtiments. En bonne note de ce plan, on en aura besoin pour retrouver la fiole. Compris. Prends des notes tout de suite. Cherche la fiole. Bon chien! You did a great job. This facility must have some clues about Harry. So stay sharp and search for the vial. Wait. Je suis trop grand, je ne peux pas t'atteindre. Je veux te parler. Ah, tu es là. Elle a l'air sympa, ta partenaire. Hello. Tim aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt cool. Il y avait vraiment de jolies fleurs par ici. Flo, Flo. Oh, c'est toi et Rita qui les entretenez. Vous avez la main verte. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors si, ça a l'air sympa ici. Pikachu, on n'est pas venu s'amuser. Signifie quoi, PCL? Le Pokémon Comprehensive Laboratory. Ici, nous étudions les capacités des Pokémon pour les appliquer à différents domaines. Oh, tu Fleuette. C'est ce Pokémon qui virevole autour de l'accueil. Oh, c'est Fleuette, ma partenaire. C'est un Pokémon très gentil et attentionné. D'ailleurs, je remarque que ton Pikachu sait marcher sur ses pattes arrière. C'est trop mignon. C'est cela, oui. Asseyons-nous en attendant la directrice. Oui. Dorothy Fisher, directrice du PCL. Frédéric Hartfield, chercheur au PCL. Sorry to keep you waiting. Oh, that's all right. It's nice to meet you, director. Please call me Dorothy. It's nice to meet you too. You'll be providing support for our staff while you're with us. This is Fridge. He'll tell you more about your duties. Yeah, that's me. Good to have you here. Oh, hey there, Pikachu. Welcome, little buddy. Get off. I'm Tim Ottman. Nice to meet you. Glad you're here. Guy before you quit, so we've been in a pickle ever since. Such a shame. He was doing so well, too.
Anyway, I'll leave the rest to you, Fridge. I have some errands to run. Cool. I'll take it from here. Well, good luck, Tim. Thanks. Well, let's head on in. We've got some pretty unique people working here. But don't sweat it. We're all cool. Okay. Wow. I'd say he's got plenty of unique going on himself. Et c'est parti. Allez, on le suit. Alors là, nous avons une porte. Ça, c'est la salle de documentation. Mais viens plutôt visiter mon labo. En gros, je vais être ton larbin, quoi. Ok, entrons. Là, il y a tout le monde. Oula. Please, come on in. Laboratoire de Freddy. Welcome, both of you, to my laboratory. This here's my partner, Garboder. So, right now, I'm doing research on its ecology to assist in garbage disposal. Garboder's pretty awesome. Here, see for yourself. Look! Yes, Max, grand amateur de déchets. Nina O'Hara, chercheuse au PC. You're here. I just wanted to show Tim how the garbage just disappears. In exchange for a nice cloud of poison gas. You shouldn't show it off so much. Especially since we can't go to the courtyard for fresh air. Oh, no way. Wallace is up to his usual antics again? Yeah, what else is new? The passcode's been changed. Even I'm stumped by his latest hijinks. You're Tim, right? Things are a bit of a mess right now. But don't worry, I'm here to help you out. It's very nice to meet you. What in the world is going on? Bah déjà je vais me moucher parce que wow. Donc de sacrées recherches. Incroyable. Ce miasmax. Et les tours de magie, il fait disparaître des déchets et les transforme en gaz toxique. Je sais pas ce qui est mieux entre laisser un déchet par terre ou le gaz toxique. Je vous laisse méditer là-dessus. Avance les recherches. Max. Manger des ordures pour le boulot, c'est le bonheur, tu dis. Ah, si tu le dis. Qu'est-ce que tu penses de Freddy? Max. Et de le bouffer, quoi. Restera dans tes bonnes grâces tant qu'il te donnera à manger. Ma foi, je peux comprendre. C'est quoi cette machine? Ah, ça, c'est un purificateur destiné à nettoyer les gaz toxiques émis par Miasmax. Ah, bah, c'est bien, finalement. Donc l'air restera pur tant que cette machine est en marche. Ouais, désolé d'avoir oublié de la mettre en marche tout à l'heure. Elle a aussi une seconde fonction. Elle peut analyser les composants des gaz qu'elle purifie. Vous en servez aussi pour mener des recherches sur les gaz de Miasmax, donc. Tu as tout compris. D'ailleurs, j'aurais besoin d'un coup de main pour une expérience, si tu veux bien. Mais avant, va donc te présenter aux autres membres du personnel. La marre d'avoir du gaz toxique partout. C'est pourtant pas sorcier d'activer un interrupteur, franchement. Dis zut à Freddy et flûte à Wallace. Pardonne mon langage, Tim. Je suis sûr que tu pourrais au moins compter sur toi. Enfin, que je pourrais compter sur toi. Oui. Oh, quel adorable Pikachu, tu es là. Tu es là. Ori ne sait pas lire aujourd'hui. Salut. C'est pas comme si elle me comprenait, mais bon. Alors, quelle recherche menez-vous ici? Je développe des médicaments pour les Pokémon avec mon Karatroc. Il y a un Karatroc qui traîne, ok. Il vit dans la cour intérieure pour avoir un accès facile aux baies. C'est un Karatroc, donc les Karatroc ont la spécificité de transformer des baies en jus de baies, qui sont des excellents médicaments, normalement. Ça nous simplifie la vie pour nos expériences. Savez-vous sur Miasmax? Il pue. Seulement ce que Freddy m'en a dit. Son talent pour se débarrasser des ordures. En les mangeant est intéressant, mais bonjour l'odeur derrière. Il n'a pas l'air du genre à se brosser les dents après, en plus. Pas vraiment le problème. À propos de Wallace, c'est un abruti.
Voilà, c'est souvent ce genre de choses. Oui, mais un point d'honneur à verrouiller l'accès à la cour intérieure à chaque fois qu'on a une nouvelle tête. Pour trouver le nouveau code, il faut résoudre l'énigme qu'il a écrite sur le tableau blanc, dans la salle de réunion. J'ai jeté un œil et j'ai aucune idée de comment la résoudre. Un test pour avoir une promotion, j'y vais tout de suite. Il veut tester mes ménages. Hey, Tim. Excuse-moi encore. Listen up, Tim. Take this opportunity to look for the vial while we're working in here. Hey. Be sneaky about it. We can't let anyone see. Je sais. Salle de réunion. C'est verrouillé. Après la carte, cette porte mène au bureau de la directrice. Va falloir attendre le retour de Dorothy pour y rentrer. Non ! Non ! Non, s'il te plaît ! C'est un beau labo ! Il est immense ! Linéaire ! Oh non, il est grand le labo et tout. Bibliothèque. Faut dire. Cold. This room is freezing cold. Ah. La clim. Et 15 degrés. Cette pièce est étrangement froide comparée aux autres. La clim. Où il y a un Pokémon de glace. Caché. Pas de tableau blanc. Sont les rapports publiés par le PCL. Infliger une altération de statut à un Pokémon rend sa capture plus facile. Le but de cette étude est de mieux comprendre le fonctionnement de la capacité Toilelec afin de développer un outil de capture de Pokémon. Dorothy Fisher. Alors c'est ça ce qu'étudiait Dorothy. Recherche sur Relicanth et autres Pokémon antiques. Selon la théorie dominante au sein de la communauté scientifique, Relicanth n'a pas changé d'aspect depuis 100 millions d'années. Au PCL, nous observons et analysons le comportement des Relicanth afin de mieux comprendre dans quel écosystème les Pokémon antiques vivaient. Je puisse pas du tout, mais ça a l'air ambitieux comme étude. C'est le Pokédex de ce jeu, très bien. Barbicha et les séismes. Depuis la nuit des temps, les Barbicha, en colère, ont été accusés de déclencher des séismes. La relation à cause d'un effet n'a cependant jamais été démontrée. Au PCL, nous focalisons nos recherches sur les Pokémon de type eau et sol dotés de la capacité séisme afin d'étudier l'impact de son utilisation sur notre planète. Serait responsable du tsunami. Grand tsunami qu'il y a eu il y a quelques années. Recherche sur les talents illusions de Zorua. Imaginons que les hommes parviennent à comprendre et utiliser le talent illusion. Les hommes, c'est pas des Pokémon. Pas grave, continue. Toutes sortes d'applications seraient possibles. Changer de décoration intérieure, à volonté, se relooker instantanément, etc. Faire de l'usurpation d'identité aussi. Très bien. Ah, plus de recherche, allez, plus de trucs de Pokédex, vas-y. Les livres ont l'air très anciens. C'est le coin des archives. Là ah. Il y a des ouvrages sur les Pokémon ici. Ils disent que les Pikachu sont de type électrique. Bah ouais, tout le monde sait ça. T'empêche pas de ne pas savoir utiliser tonnerre. Et alors? Et des éclairs de génie, ça me suffit. Les miasmas. Oh regarde, ça part des miasmax, comme celui qu'on a vu dans le labo de Freddy. Ce Pokémon est de type poison, j'en doutais un peu. De type plante. Ouais, t'es le Pokémon qu'on a vu avec Rita à l'accueil. Ah, c'est lui. J'ai l'impression qu'il est jaloux parce que Rita n'a plus yeux que pour moi. Tiens, j'aurais pas cru qu'il serait de type fée. Et de type fée. Des plantes aussi. Des ouvrages sur d'autres Pokémon. Putain, c'est pas vrai. Il y en a encore d'autres derrière. Ils disent que les Fennec sont des Pokémon de type feu et adorent manger des brindilles. Chacun ses goûts. Les Motisma sont de type électrique et spectre. Les Décéliantes sont de type spectre et plante. Oh, tu as vu ça, Pikachu? Il paraît qu'ils peuvent contrôler les arbres de la forêt. Plus de Pokémon. Des ouvrages sur d'autres Pokémon. Karatrok. Ah, Karatrok sont de type insecte et plante. Tiens, ils stockent des baies dans leur carapace. Celles-ci se décomposent puis se transforment en jus. C'est fou. Ouais, je viens de le dire il y a 10 minutes, c'est bien. Ah, c'est plutôt cool de pouvoir faire ça. Encore!
Elle n'a plus. Cherchons des informations sur d'autres Pokémon. Non, merci. Oh, il y a encore d'autres Pokémon. Ça parle des caps humains. Ils disent qu'ils sont plus habiles de leur queue que de leurs mains. Ça, je veux bien le croire. Ce sont des ouvrages techniques. La science et les Pokémon. Honnêtement, j'y comprends rien. Trop de formules mathématiques compliquées. Laisse-moi lire. Formules mathématiques, je suis doué. Rien qui traîne. Une plante. Un Zoroark déguisé. C'est un simul-arbre. Une chaise, une poubelle. Bon. Le seul truc louche de cette pièce, c'est les 15 degrés. Je sais pas pourquoi. Là, c'est verrouillé, c'est le... Ça, c'est la salle de réunion, c'est obligé, c'est la seule pièce qui... Voilà, le tableau blanc. Oh, désolé. La bonne. Qui a posé ce bécher ici? Ça, c'est bien, ça permet aux jeunes d'apprendre les objets de science. Comme ça, quand ils sont au collège, ils sauront ce que c'est que ce truc. Un bécher. Effectivement. C'est vrai que quelqu'un s'en sert de tasse à café. C'est une cafetière. Ouah, cette odeur! Ça donne pas envie d'y goûter à leur café. C'est un tableau vert. C'est un bureau. C'est un Zoroark. Alors là, on a à nouveau le plan, c'est ça? Plusieurs personnes ont écrit des idées ou questions au sujet des documents affichés ici. Ils utilisent donc ce tableau blanc pour échanger leurs opinions. Chiffre d'affaires. C'est un graphique à noter. Bon, rien à ce charabia. Il y a marqué que ce sont des données sur les dernières recherches sur les Pokémon. Ah, c'est Drody qui a dû mettre ça ici pour que tout le monde y ait accès. Et voilà notre énigme. Ah, quoi que non, il y a quelque chose. On dirait une sorte de tableau. Ah, voilà donc la fameuse énigme de Wallace. Voir à qui il a affaire. Ça y est, j'ai noté tout ça dans mon carnet. Quel est le code? Voyons voir. Regardez dans les plantes. Un indice, tu crois? Pour ne pas nous faciliter les choses, on dirait. Indice de Wallace. Regardez les plantes. Bon, les plantes! Pas celui-là, je suppose. C'était écrit de regarder dans les plantes, mais je vois rien. Il y a sûrement d'autres plantes. Allons y jeter un coup d'œil. Oh, c'est parti, on va tourner en rond. Énorme. J'adore ce jeu. J'ai vu une plante. Oh, il y en a deux. C'est une plante, tout ce qu'il y a de plus banal. Ouais, j'ai pas eu la fin. Je vais surpasser. Là, c'est celle-là, c'est obligé. Viens voir ça, Pikachu. J'ai trouvé une note bizarre. Des symboles. Que ça veut dire? Rond égale Karatrok. Yang égale Motisma. Il y a un motif. Ah ouais, d'accord. Il y a un peu de tout là. Carré égale Fennec, etc. Losange. Cette note a sans doute un lien avec notre énigme. Je vais la garder. Au fait, où est-ce qu'il faut taper le code? Je crois avoir vu un espace de une espèce de clavier côté de la porte de la cour intérieure. On va y jeter un œil. Est-ce que je suis vraiment en difficulté normale? Lors de jouer en difficulté facile, ça m'agace. J'aurais dû regarder. Je regarderai ça à la pause. Parce que là, c'est... il me donne tout. Le code est composé de symboles plutôt que de chiffres. C'est pas commun, ça. On trouve dans quel ordre appuyer sur ces symboles pour ouvrir la porte. Ouais. On va pas faire ça à l'aveuglette. Il va falloir fouiller un peu pour trouver le code. La note qu'on a trouvée dans la salle de documentation indique quel symbole correspond à quel Pokémon. Ouvre vite la section piste. Il y a une énigme à résoudre. Hey, Tim. Tim. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a déjà récolté pas mal d'infos. Je pense qu'on a de quoi résoudre l'énigme. Let's try and figure out which Pokémon matches up with what. Oh putain. Ah non, j'ai eu peur. Je pensais que c'était un truc qu'on a dans les carnets de vacances. C'est le genre d'énigme, vous savez.
vous affiliez trois listes, une liste de personnes, une liste d'objets, une liste de lieux. Et en fonction des données, normalement, chaque personne correspond à un lieu et un objet qui lui est propre. Et c'est un bordel, ça fait un double ou parfois un triple tableau. Enfin, vous comprenez le genre d'énigme. Non, là, ça va, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, on recherche un Pokémon électrique et spectre. Botisma. On recherche un Pokémon poison. Miasmax. On recherche un Pokémon de type spectre et plante. Oui. On recherche un Pokémon de type feu. Bah, nickel. Donc maintenant, c'est dans l'ordre Mutisma, ça. All we need to do now is compare it with the chart. Let's go and enter the passcode. Attends. On va faire un moment paint. J'ai la flemme. D'ailleurs, j'ai oublié de réouvrir mon fichier bloc-notes. Le code, c'est... celui-là. Il est trop facile. Voulez-vous rentrer le code? Oui. Alors, c'est triangle, étoile, losange. Ça va, on a le temps. C'est bon. Carré. Entrée. Toulout. Bien joué, Tim. Allez, en avant toute. La cour intérieure. Et effectivement, il y a tous les Pokémon en fait listés. Putain. Cardrock, Pokémon un peu inconverti. Décéliandre, doyen de la cour intérieure. Brocélom, adepte de la cour intérieure. Fennec, friande de rameaux. Bon, là, j'avoue qu'il y a pas mal de Pokémon comparé à la première partie. Ça va être un bordel. Je peux accéder à l'LB en traversant cette cour intérieure. Il y a probablement d'autres chercheurs là-bas. Allons y enquêter sur la fiole. Sous couvert de se présenter. Ça marche. Je me demande quel genre de Pokémon c'est ce... De quel genre de personne c'est ce Wallace. La Pokémon. Aucune idée. Mais à ta place, je me méfierais de lui. Vu ses antécédents. Bon, allons-y. Et n'oublie pas de chercher la fiole. C'est bon, on va parler aux gentils. Tu es un petit peureux, toi. Salut. Là pour donner un coup de main aux chercheurs. Enchanté. Qu'est-ce que tu penses de Nina? Non, c'est Caratroc, pas Carapuce. Désolé. Ah ouais. Moi non plus, je ne suis pas sûr que ça me plaise d'avoir quelqu'un qui remplisse ma carapace de baie à tout bout de champ. Mais si vous vous amusez bien ensemble, c'est essentiel. Dis, tu as déjà vu une fiole comme celle-ci quelque part? C'est pas une carapace, c'est une fiole. Bon, je suppose que t'as aucune information, donc. Fennec. Bah dis donc, t'as la forme, toi. Fennec! Fennec! C'est le beau temps qui te met de si bonne humeur? J'ai déjà vu cette fiole quelque part? Fennec? Non, je t'ai pas demandé si tu voulais, mais... Et si tu... Bon, laisse tomber. Manifestement, t'as aucune information là-dessus. Un bien joli jardin, ici. Fennec. Dans ce cas, mes compliments à Floette et Desséliande. Ils ont fait un fabuleux travail. Il y a pas mal de baies dans cet arbre. Encore plus de baies dans cet arbre. Et encore des baies dans cet arbre. Mais il n'y a pas de baie dans cet arbre. Salut, tu m'entends là-haut? Dis, t'as déjà vu cette fiole quelque part? Non. Il a quelque chose de similaire, tu dis? Ah, un indice. Je vais pas trop vite, il faut d'abord qu'on confirme l'info. C'est un bien beau jardin que tu as là.
Ça fait plaisir de voir de la si belle verdure. Yande. C'est toi qui t'occupes des arbres. Chapeau bas, c'est du beau boulot. Humour. Yande. Ah, je vois que tu tiens beaucoup à eux, vu comme t'en prends soin. Ah, brosser l'homme te file un coup de main aussi. Comme c'est gentil de sa part. Encore plus de baies ici. Brosse l'homme. Salut toi. Mais what? T'as déjà vu cette fiole quelque part? Loum, loum. Ah, tu as une bonne info. Dis-moi. C'est cool que le banc soit confortable pour faire la sieste. C'est pas vraiment ce que je voulais savoir. Bon, j'en déduis que tu n'en sais rien. Et sympa ce jardin, ouais, on le sait. Loum. Oh, tu es donc Floette et tes éléments, blablabla. C'est du beau boulot. Ça, c'est intéressant. Ils doivent utiliser ce réservoir pour stocker l'eau des plantes. Ça, c'est utile pour décerner les menteurs. Non, nous ne pouvons pas entretenir nos arbres, ils vont mourir. Oh, mais vous avez de quoi entretenir, regardez les machines. Alors, on se retrouve dans l'LB. Oh, il y a un trousselin qui traîne là. Tout petit. Ah, il est mignon! Rousselin, oui, les clés. Salut, on est nouveau ici. Tu peux nous filer un coup de clé? Eh, ça va. Pas la peine d'être si méfiante. Ous. Je voudrais visiter la réserve. Elle est bien ici, dans l'LB? Ous. Ok, donc tu as la clé de la réserve. Et tu refuses de faire entrer des inconnus. Mais on est sympa, nous, on est là pour vous aider. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu nous fasses confiance? Te ramener du jus de Karatrok? Pas un médicament, mais le jus habituel, c'est bien ça? Tout ce qu'elle veut? Elle a l'air de faire vraiment confiance à Karatrok? Surtout grâce à mes indéniables qualités de négociateur. Pas de problème, Trousselin, on s'en occupe. Toutes les clés que tu transportes, ça va ouvrir différentes salles du bâtiment. Crous. Tu as toutes les clés du bâtiment? Eh ben... Crous. Même celle du bureau de la directrice, hein? La classe. Crous. C'est chiant. J'avoue, ça craint. Hey, Tim, apparemment Trousselin peut ouvrir toutes les portes, sauf celle de la cour intérieure. Du coup, elle est ennuyée. M'en fous! C'est fermé, c'est la réserve. Donc on a récupéré du jus préparé. Bonjour, je suis le nouveau. Laboratoire de Carlos. I wonder what this room is for. Don't know. Yep. Oula. Motisma, maître de son destin. Oh, hello there. Is this your room? We just started working at this laboratory today. Nice meeting you. Roto, roto. Carlos Hernando, chercheur au PCL. I see now. Oh. Well, hello. Oh, sorry we barged in. I'm Tim. Today's my first day here at work. Oh, that's right. I heard you be coming. I'm Carlos. And this here is my partner Rotom. Roto! Roto, roto! Nice to meet you both. What kind of research are you doing, Carlos? Ah. I'm researching energy. Building a motor like this one. An efficient motor that can take a tiny amount of power and turn it into much more. For real? Is it possible? Yes. If we can figure out how to borrow some of Rotom's energy. I hope you can learn how to do that. Is this the prototype? Oh, that one? Actually, it really should work, in theory. Is there a problem with it? Well, Tim, I'll let you see for yourself. Rotom, go ahead and get into this motor. Now. Huh? As you can see here, this Pokemon doesn't want to listen to anything I say. C'est un pessimisme. How do you manage to get any research done at all?
Pikachu, tu peux pas lui demander, toi? Ah, nous avons deux magnifiques bobines. Qui font des arcs électriques. Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas y toucher. Une boîte à outils. C'est sûrement pour la maintenance de tout l'équipement qui sont ici. Tiens, des fioles. Regarde ça, Pikachu. It doesn't look like that's the same shape. Ah, il va falloir qu'on fouille aussi les fioles de l'autre labo. Je me suis trompé. Quoi, ce truc carré? Peut-être une pièce détachée. Un prototype quelconque. On dirait que Carlos touche un peu à tout ici. Bon, il y a quand même une grosse incohérence, c'est que... On cherche des fioles dans ce labo, bon... Je suis pas contre, mais des fioles, t'en trouves du même type partout, c'est ça le problème. Bon, là, on a de la chance, et apparemment, il y a 50 millions de fioles différents. Une poubelle! Une pile dans la poubelle, vous la ramassez? Ah, il y a une pile dans la poubelle, je la ramasse. Trouvez une pile, c'est mieux. Baptiste, viens ici. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir le partenaire de Carlos? Moti, Moti! Quoi? C'est pas ton partenaire? Serviteur? Bien sûr! Y'a aucune envie d'aider Carlos dans ses recherches. Moti? Quelle recherche? T'as vraiment zéro motivation, toi. J'ai réussi à résoudre l'énigme de Wallace. Félicitations. Ah, je m'appelle Tim Otman. Vous pouvez m'appeler Tim. Enchanté, Tim. Moi, le même. Faites donc vos recherches avec Motisma, c'est bien ça? Oui, sa capacité à prendre possession des machines est absolument incroyable. Mais comme tu as pu le voir, il n'est pas des plus coopératifs. C'est pourquoi j'essaye d'en apprendre plus sur lui en lui parlant et en lisant des livres à son sujet. Je crois que vous avoir vu en train de lire quelque chose. Ah oui, c'est un livre que j'ai pris dans la salle de documentation. Motisma et l'électricité. Oui, d'habitude, je m'entends très bien avec les Pokémon de type spectre, donc je pense que le problème vient du fait que Motisma est aussi de type électrique. C'est pourquoi j'essaye... Je vais relire après. J'espère que vos recherches aboutiront. Je veux relire parce que j'ai... Je pense que... C'est pourquoi j'essaye d'approfondir le sujet pour améliorer notre relation de travail. Ok. Bon, on sait toujours pas quel est le problème avec ce moteur. Ou cet amplificateur d'énergie. Putain, j'aimerais bien qu'elle... Hey, Klefki! I got a question for you. Can I use this key? My negotiation skills didn't work at all. That was a tough one. Un trousselin déteste qu'on lui trifouille ses clés, ça j'avais compris. Laboratoire de Wallace avec oula. Mauvais ça. I see you figured out the passcode. Voilà Scarol, chercheur au PCL. I thought it'd be beyond you, but you've passed the test. I'll give you that much credit. So, welcome to my laboratory. Who's this weirdo? You must be Wallace. It's nice to meet you. Let me know if I can help you with anything. Great, I'll do that. However, since I'm researching Pokémon cells, I'd prefer it if you're healthy-looking Pikachu. Helps me out with something. Do what? Do you think you would be willing to soak in a tank for about a month or so? No way. I think that's a little... I'm just joking. Not funny at all! Et lui, je vais lui faire une très belle voix. Je dis pas ça pour plaisanter. Bon. Le cliché du type qui a l'air très vilain. Laboratoire sombre. Par contre, recherche très sérieuse. Regarde ça là-haut. Des plantes. Oh, il y a un million de plantes différentes. Il y a toutes sortes de plantes ici. Je dois étudier comment elles poussent en fonction de leur environnement.
Là, on a nos fioles. Une fiole, Pikachu. Tu crois que c'est la bonne? That's the wrong one. Sorry about that. Nickel. Il me reste plus qu'un labo à refouiller. Et aussi la salle de la directrice. Vaporisateur. Ouais, j'imagine qu'il s'en sert quand il fait ses expériences sur les plantes. Nous avons une balance. Oui. J'imagine qu'il faut être très précis quand on fait des expériences scientifiques. Salut. Meios, génie à deux cerveaux. Oui, Meios. Rien à faire, il nous entend pas. Nucleos, Pokémon à l'aise dans tout type d'environnement. C'est un Pokémon cellule. Il a des bras quand il évolue encore. Des fioles là. Une collection de tubes à essai. Tous vides. La couleur de ces flacons ne passe pas inaperçue. Ça doit être des substances très puissantes. Touche pas à ça, petit con. Alors, recherche sur la télépathie. Il a beau chercher, il a pas encore trouvé. Je suis surpris que tu aies résolu cette énigme. C'est pas mal pour un amateur. Tu t'appelles Tim Otman, c'est ça? Oui. Enchanté. Attends un peu. Otman. Otman. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai vu ce nom dans le journal récemment. Ah bon? Sans doute un homonyme. C'est un nom courant par chez moi. Franchement, Tim, t'aurais pu trouver un meilleur pseudo. Toi qui m'as donné ce nom. Ouais, ouais. Quel genre de recherche menez-vous sur les cellules? Je cherche à comprendre pourquoi les nucléos et les mélios sont capables de vivre dans n'importe quel environnement. Personne n'a encore réussi à percer leur secret. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les nucléos et les mélios du coup? Ils communiquent par télépathie. J'aimerais bien entendre ce qu'ils disent, mais je n'y arrive pas. La télépathie n'est sans doute pas adaptée aux humains. C'est très intéressant. Un autre qui m'intéresse pour l'instant. Donc. Ok, on a rencontré tout le monde. Ils ont l'air un peu louches. Tous, pour être honnête. Oui, l'un d'eux doit être lié à cette fiole. Possible, mais rien n'est encore sûr. Alors, tu soupçonnes qui? Voilà, Scarlos, Nina, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ok. Alors, tu soupçonnes qui? Quelqu'un d'autre. Part sur Dorothy pour l'instant. Les grands esprits se rencontrent. J'ai pensé exactement la même chose. Gardons un œil sur ses mouvements. En fait, l'expérience de Nina commence bientôt, non? Allons voir ça dans la cour intérieure. Alors, peut-être que j'aurai un B, on va juste B. Ah, encore! Pardon? Tu as senti cet air froid transperçant? Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans cet établissement. C'est bizarre, non? Personnellement, ça me fascine. C'est pourquoi j'ai pris note de tous ces phénomènes paranormaux. Zut, encore raté. Y a-t-il? J'arrive pas à obtenir la teinte orange que je recherche. Vous développez des médicaments ici, n'est-ce pas? Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Bien sûr. J'utilise les talents de Karatrok pour créer des médicaments pour Pokémon. Il suffit de stocker des baies dans sa carapace jusqu'à ce qu'elle se transforme en jus. Épais et parfumé. Ensuite, j'y ajoute diverses substances et j'obtiens un médicament. Et quel effet a ce médicament? Celui sur lequel je travaille en ce moment a pour but de donner du tonus au Pokémon. J'essaye de lui donner un goût fruité et surtout une jolie couleur orange. Il faut juste mélanger deux baies avec du liquide et le tour est joué. Je peux vous aider si vous voulez. Vraiment? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, on aura besoin de deux baies différentes à mélanger
et d'un liquide pour cette expérience. Que faut-il pour l'expérience? Deux baies. Alors, pourriez-vous m'en dire plus sur les baies? J'essaye de créer une jolie couleur orange en mélangeant deux baies différentes. Alors, je le jure que si jamais il me demande de mélanger du jaune et du rouge, ça va chier. Je vais pousser différents types de baies dans ce jardin pour nos expériences. Il suffit de secouer les arbres pour les faire tomber. De l'orange, vous dites? Oui, mais j'ai du mal à obtenir la couleur que je recherche. J'ai vraiment peur que ça soit ça. Une scientifique ne connaît pas son code des couleurs. Seulement, je pouvais demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît. Quel genre de liquide devrais-je utiliser? Il nous faut un liquide à même d'adoucir l'odeur et le goût des médicaments pour le rendre buvable. J'ai un document qui détaille les résultats de mes expériences passées. Je peux t'en servir de référence. Il doit bien y avoir quelque chose d'utilisable là-dedans. Pas encore. Secouer! Une baie jaune! Merde! T'es trop conne en fait! Hey, Tim. Commençons par assembler les éléments nécessaires pour l'expérience de Nina. Ouais, il nous faut des baies et un liquide. Bon, on sait où trouver les baies, mais pour le liquide, c'est une autre histoire. Voyons voir ce qu'on peut trouver d'utile en se basant sur les analyses de liquide que Nina nous a donné. Ou un liquide. Ya! Yeah. Une baie verte. Du vert? Une baie rouge! J'ai d'autres baies encore. On peut faire du baie marron, du baie violet. Oh là là, je vais être obligé de faire un cours sur les couleurs. Une blague! Mais c'est quoi la stupidité? Mais c'est un labo de quoi? Note de Nina. Ce sont des rapports de recherche. Oui, mais les notes de Nina, c'est ça! Nina, c'est. Regarde cette fiole! Fais voir! Non, la size est wrong. Il nous reste l'entrepôt et le lieu de. Il y a des plantes ici aussi. J'ai pas vu. Allez. Ah, ta 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 ta. Il y a des fioles. Il y a des fioles. Et ouais. It doesn't look like that's the same shape. Ok, il faut faire gaffe. Fermé. Bon, je pense savoir que l'énigme de pourquoi il fait froid, ça est. Merde, on peut pas. Oh! Trop de difficulté. Il y a des fioles ici. Non, c'est. C'est bizarre les notes de Nina pour le liquide. Travaille là, Nina. Nina, elle travaille là. Il y a un trop long de baies dans la poubelle. Je vais le ramasser. Ah, quelqu'un mange des baies. Parce que c'est, mais c'est pas notre fiole en tout cas. Je dois s'en servir pour piler les feuilles. Et on s'en sert pour écraser. Non. That's probably smart. They say wise men never court danger. Pas chez nous. Pas la bonne fiole. C'est pas des fioles que je veux, c'est des recherches.
Pourquoi je peux pas avoir les notes? C'est Nina qui a fait tous ces médicaments. Il est écrit le Panthéon. Ça doit être ses meilleures créations. Pas l'air de s'en servir souvent, mais tout s'est bien rangé. Chaque étagère est impeccablement rangée. Les tubes à essai. Ils servent à diverses expériences, j'imagine. Et ils sont tous vides. Je n'ai absolument pas d'indice sur le liquide. J'ai pas vos notes, madame. Si près du but. Le liquide sert l'odeur et le goût du médicament. Analyse des liquides. Putain, je l'avais. Jus d'herbe. Fait empirer l'odeur. Bouillon de culture, améliore l'odeur. Oh, aucun changement. Du café. Acre donne une couleur bizarre. Un bouillon de culture. Comment on fait du bouillon de culture? Ah, mais j'ai des plantes. Ah, il faut que je fouille toutes les poubelles aussi. Je sais pas ce qu'il faut, hein. Je crois qu'il doit me manquer un truc. Je vérifie. Oh, la fiole brisée, ça n'a rien à voir. Trognon de baie. Laboratoire de Freddy. Laboratoire de Carlos. Note, symbole. Terre. Culture. L'eau. T'as pas une poubelle, toi? Ah, si, là. Bout de papier dans la poubelle. On va ramasser. Nous allons faire un bouillon de culture avec du papier, une pile et. C'est MacGyver, le truc. Ah, il y a une caméra. J'avais pas vu. Je suis en train de faire des allers-retours, ils doivent soupçonner un truc là. Faut trouver de l'eau. J'ai décidé de filer un coup de main à Nina pour son expérience, ce qui veut dire qu'on va bosser ensemble. Nina ? J'ai un petit service à te demander. Tu veux bien nous faire un peu de jus? Caracara! Ah, ta carabasse est déjà pleine de baies pour une expérience. Bon, on repassera quand l'expérience sera terminée alors. Cara. Merci, à tout à l'heure. C'est ici que t'aide Nina à faire les recherches? Cara. Ben oui, avec toutes ces baies à portée de main, pas trop à plaindre. Bon, j'ai quand même fouillé une poubelle encore. Il doit y avoir une poubelle à l'accueil ou autre parce que. La poubelle là a été fouillée. Je sais que c'est pas la bonne gueule, merci. Excusez-moi, vous n'auriez pas une petite poubelle là? Je peux sortir. Tout va bien. On s'en fout de ce qu'elle dit pour l'instant. Bon bah je vais peut-être tenter, mais je promets rien. Je vais faire la coupure devant l'expérience et on se retrouve tout de suite pour tenter de faire du jus de baie. Allez, à tout de suite les gens.